Otherwise, my sister had a pet. I'm there, and I'm not going nowhere. You need to come on board. I'm here to stay, to live it and shine it. Wow, you did great. You mean that we had some great power together? That's what I mean. I need you to do it, girl. I need you to come here, girl. I need you to come here close to me so that I can show you the roadie, girl. You know we don't plan on here. This shit is a heavy ship. When you see us moving, you better be grooving. This is our legacy. We're fighting for destiny. We're fighting for royalty. If you cannot stand it, you better disappear, cause fire will burn you here. I wear it all potentials. Show the world what's hidden though. Together we'll make it. Take my hand, won't doubt it. You're my king and I'm your queen. Take my hand, don't doubt it. Take my hand and go for it. Take my hand and then jump, jump. Wake up and do it. 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 Wake up and leave it. Wake up and shine it. Wake up and do it. Do it. Do it. Wake up and 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 leave it. Wake up and shine it. Wake up and do it. Do it. Do it. Natural mystic, my hand. Think first time I know it. Damn, you are like a nose quack. You are, you want trophy. That's what I was asking, man. I can tell you things like that. T'as juste à tendre l'oreille. With energy like that, my heart is in stomach. I'm saying goodbye to hell. J'ai lâché un mec sur toi. Already, qu'est-ce que tu crois? Je sais bien où je vais rêver réalité. And you need to stay there, man. I know that I do love you. It's not like you are my boo. Ne dis pas le contraire, j'ai déjà lu ton cœur. Je sais que rien ne l'effraie. Non, rien ne l'effraie. Rien ne l'effraie. Elle a lu son cœur et rien ne l'effraie. Il a pas peur de tomber en haut. Tomber en haut. Tomber en wake up and do it. 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 Wake up and live it. Wake up and shine it. Wake up and do it. Do it. Do it. Wow. I don't want to stop. That's great. I'm permitted to do the shows. We really complete each other. Au TEP, la famille, merci d'être là. Je vous demanderai avant toute chose de penser à liker et à partager. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Pierre Nilon qui nous fait l'honneur de venir partager avec la famille, la communauté et toutes les personnes de bonne volonté le savoir accumulé pendant des décennies, pendant des siècles, par Kemet. Donc, nous allons parler de la cosmogonie d'Héliopolis. Je vous demanderai une fois de plus de liker, de partager. Chers amis, je vous remercie une fois de plus d'être là. Bonsoir, je suis en compagnie du frère Pierre Nilon. Merci beaucoup Pierre Nilon, je suis vraiment très 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 honoré par ta présence, par le temps que tu nous accordes, vu l'emploi du temps, j'imagine, monumental que tu as.
et que tu aies bien voulu nous accorder un peu de temps aujourd'hui. Je t'en remercie. Alors, je voudrais poser une question juste en introduction, puisque nous sommes en train de parler de la cosmogonie. Que doit-on comprendre derrière le mot cosmogonie et que devrait-on comprendre quand on parle d'héliopolis? Je le dis parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas toujours le rapprochement avec les mots, avec les lieux, avec les circonstances, parce que les lieux ont été changés, les mots ne sont plus utilisés. Et donc, au fur et à mesure qu'on nous parle de l'évolution, on se rend compte que c'est volontairement qu'on a évolué également dans le langage pour éloigner des gens d'une certaine vision. Donc, c'est pour ça que je posais cette question. Que doit-on comprendre derrière cosmogonie? Que doit-on comprendre? C'est quoi Héliopolis? C'est quoi la cosmogonie? Voilà. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Bonsoir à tous. Derrière le mot cosmogonie, c'est un mot grec. Le mot cosmos signifie l'univers et gonie signifie la naissance. Donc, en gros, la cosmogonie, c'est la naissance de l'univers, c'est-à-dire l'origine, comment l'univers a été formé. Dans les textes égyptiens, ça correspond à une expression. Il y a, comme je donne des cours de la mythologie, donc plus en détail, les gens peuvent voir ça. Ça s'appelle Messanu. Il y en a qui vont prononcer Sénénet, mais le mot Mess signifie naître, naissance. On trouve ça dans le nom du pharaon Ramessou, d'accord? Et il y a le mot Sanu, moi je traduis par Sanu, qu'on retrouve aussi dans des langues, par exemple le mot San en bambanan, qui signifie le ciel. Donc le pluriel se forme en O, donc ça fait Sanu, qui va signifier les cieux. Et Sanu aussi en soninke signifie les étoiles. Vous voyez, les étoiles, c'est l'univers, quoi. Donc Mess Sanu signifie, c'est ce qu'on va traduire par cosmogonie. Voilà. Héliopolis, ça vient du mot Helios, qui en grec signifie le soleil, et Polis, qui signifie la ville. Donc, ça signifie la cité, la ville du soleil, Héliopolis, tout simplement. Mais en égyptien, il y avait un autre nom, certains vont prononcer Younou, mais le mot se prononce On, et qui signifie aussi le pilier. On retrouve ça aussi pratiquement en Roloff. Eux, ils vont dire « jaune », et ça va signifier le pilier. Vous voyez, c'est le même mot. Voilà pour l'origine du mot cosmogonie, la signification et ce que représente Héliopolis. Héliopolis est l'une des plus grandes villes d'Égypte. Généralement, on parle de Thèbes, de Memphis, à cause de la politique, parce qu'à un certain moment, c'était la capitale de l'Empire, mais vraiment le centre intellectuel où on va apprendre, c'est Héliopolis. Merci beaucoup pour ces explications fort précises et très profondes. J'espère que cela aura éclairé plus d'un parce que la question restait toujours... Il m'a été posé cette question, cher professeur, que à quoi est-ce qu'on fait référence quand on parle de cosmogonie. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu, j'ai souhaité que tu fasses un éclairci sur cette question. Alors, on va rentrer dans le sujet qui est le nôtre ce soir, donc concernant la cosmogonie. Je ne sais pas si, en parlant de cosmogonie, on aura à aborder le panthéon égyptien. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurai une ou deux questions sur ce sujet à te poser. Mais donc, je te laisse introduire, je te laisse développer comme tu le sens. Et à la fin, j'invite les internautes et ceux qui nous suivent de poser leurs questions que je relèverai pour que le professeur puisse répondre. Si ça le convient, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, ce qu'il faut savoir quand on parle de la cosmogonie d'Héliopolis, c'est pourquoi Héliopolis? Parce que c'est la plus ancienne cosmogonie égyptienne. Et c'est de cette cosmogonie, vous voyez, comme dans tout système religieux, il y aura des dissidences, d'accord? Donc, c'est à partir de cette cosmogonie que vont naître d'autres cosmogonies. Mais c'est la cosmogonie la plus élaborée, où on a des traces de cette cosmogonie dans les textes des pyramides,
qui remonte à l'époque du pharaon Ounas, c'est-à-dire on est vers 2350-2400 avant l'ère chrétienne. Et il faut savoir qu'on n'a pas de texte où on relate cette cosmogonie de A jusqu'à Z. Donc, dans les textes égyptiens, on a des fragments, certains passages. Donc, cette cosmogonie est connue plutôt par rapport à Plutarque, qui est un auteur latin, qui est à cheval entre le 1er siècle, c'est-à-dire vers 45 de l'ère chrétienne jusqu'à 125, début du 2e siècle. Et donc, c'est à travers son ouvrage, notamment Isis et Osiris, qu'on connaît, qu'on se base pour comprendre cette cosmogonie. D'accord ? Et donc, lui, il nous relate cette cosmogonie en parlant, là-dessus, les égyptologues vont essayer de faire des schémas de cette cosmogonie. Donc, on sait qu'il y a un élément qu'on va appeler le Nun, qui est représenté comme étant, disons, l'eau primordiale. Mais ce qui est intéressant, ben, je vais vous le signaler par la suite, c'est que dans certaines notations, le mot Nun est précédé, enfin, est suivi par un déterminatif qui est classé A40, qui est un déterminatif du divin. Donc, c'est pour vous montrer que cet élément est considéré comme un élément divin déjà. D'accord ? Et de cette cosmogonie qu'on voit ici, oui, il va y avoir ce qu'on va appeler Atum. C'est le triade Atum-Re-Kepi. Donc, c'est intéressant puisque, en fin de compte, Atum, Re ou Kepri représentent la même entité. Vous voyez, c'est un peu comme l'eau à l'état solide, l'état liquide ou l'état gazeux. Donc, Atum, c'est le soleil couchant. Ra, c'est le soleil à midi, quand il est à son zénith. Et Kepri, c'est le soleil naissant, au lever. Donc, on a les trois phases solaires. D'accord ? De là, ce Dieu va donner naissance à Shu et Tefnu. Donc, on voit que Shu représente l'air, le vent, le souffle. Tefnu représente l'humidité, l'eau. De là, ce couple va donner naissance à Nut et Geb. Nut va représenter le ciel, qui est du genre féminin en égyptien. Et Geb va représenter la terre, qui est du genre masculin. Donc, c'est l'inverse de chez nous. Des Européens, hein, entendons-nous bien, parce qu'en Europe, le mot terre est du genre féminin et le ciel est du genre masculin. Mais en Égypte, c'est l'inverse. C'est pour ça que la terre est représentée par un homme et le ciel est représenté par une femme qui chevauche l'homme. Ce couple va donner naissance, vous voyez, à Osiris, Isis, Seth, Nefti. On dit même que Seth et Geb et Nut vont donner naissance à ce qu'on appelle Horus l'Ancien. Il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'en fin de compte, c'est Osiris et Isis, avant même leur naissance, dans le ventre de leur mère, Nut, ils vont s'aimer et ils vont donner naissance à Horus l'Ancien. Et par la suite, bon, ils auront un autre fils qu'on va appeler Horus. Dans cette légende, vous voyez, il va y avoir pas mal de péripéties, c'est-à-dire Osiris sera considéré comme le premier pharaon. Donc il va administrer le pays, il va s'en aller, il va conquérir d'autres terres, il va laisser la gouvernance à Isis. Ensuite, à son retour, Seth sera jaloux de son frère. Donc il va comploter contre Osiris, il va le découper suite à ce complot en plusieurs morceaux, on dit 14 morceaux. Il va le jeter dans la mer, d'autres disent dans le Nil. Et finalement, Isis, aidée de Nefti, vont récupérer les morceaux pour ressusciter Osiris. D'accord ? Et Horus va vouloir venger son père. Donc, il va se battre contre son oncle Seth, qui va lui arracher son œil. Il y aura plusieurs combats et finalement, il va gagner. Donc, voilà, ça, c'est en gros. Ça, c'est la légende. Mais en fin de compte, derrière cette légende se cache une autre réalité. D'accord ? Parce que Plutarque nous dit que tout ça cache autre chose. Et c'est ça que nous allons voir. Je ne sais pas si tu as des questions par rapport à
cette première partie? Non, non, je suis religieusement en développement. Non, non, je les note de toute façon les questions que j'aurai à poser et j'essaie d'associer, j'associerai les schémas avec éventuellement. D'accord. Oui, bon, merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que Plutarque nous explique, parce que si vous prenez cette légende, vous allez prendre ça au pied de la lettre en pensant qu'il y a un frère qui a découpé son frère en 14 morceaux, qu'il a jeté. Il y a même des passages plus ou moins où on explique qu'il y aurait eu des pratiques pas toujours avouables entre Seth et Horus, etc. Mais ça c'est symbolique. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Plutarque nous dit qu'il faut chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, et c'est ce qu'il a fait. Il a demandé aux prêtres d'Héliopolis et lui ont expliqué la cosmogonie, ce qu'il y a derrière. Donc c'est ça que je veux vous expliquer, ce qu'il y a derrière cette légende. Il faut savoir que Chou et Tefnou, on va déjà commencer par le Noun. Le Noun, je vous ai dit dans l'égyptien, si vous prenez vraiment les hiéroglyphes, ça ne se prononce pas Noun. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, ça se prononce Nomo. Il y a d'ailleurs Abou Bakri Moussalam aussi qui est arrivé à la même conclusion, je pense bien avant moi. D'accord ? Et ça correspond au Nomo chez les Dogons. D'accord ? Et Ogotomeli, enfin Marcel Griol rapporte que Ogotomeli lui enseignait que le Nomo travaillait à la place d'Ama. Le Nomo, il disait dans la bouche d'Ogotomeli, le Nomo ou l'eau, c'était la même chose. Tantôt il employait le mot Nomo, tantôt il employait le mot eau. Parce que même en copte, on retrouve le mot Nomo qui signifie l'eau. Donc c'est scientifiquement, ça correspond à ce qu'on appelle le plasma. L'univers est composé de 99% de plasma. Voyez ? Donc, ça veut dire que tout ce qui existe vient de cet univers. Donc, dans la cosmogonie Dogon, tout comme en Égypte, tout vient du Nomo. D'ailleurs, c'est pour ça que le Nomo est suivi du déterminatif divin. De ce liquide va surgir Ra. C'est-à-dire, ça va être un peu comme ce qu'on enseigne, le Big Bang. Il va y avoir quelque chose, on retrouve ça aussi, les Hébreux qui sont passés en Égypte, ils disent au commencement, voilà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est exactement la même chose. Donc eux, ils reprennent la cosmogonie d'Héliopolis. Ils disent que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est exactement, l'eau en question, c'est le Nomo et l'Esprit qui planait au-dessus, ben, c'est Ra. Et ensuite, que la lumière soit et la lumière fut. C'est ce qu'on appelle en science le Big Bang. Et à ce moment-là apparaît la triade d'Héliopolis que vous voyez à l'écran. Et dans ce mouvement, Diodore de Sicile l'explique aussi, il va y opérer, on va avoir des planètes qui vont se mettre en place. Il va y avoir l'air, l'humidité, le chaud, le froid, enfin le feu, la terre, les quatre éléments qu'on retrouve dans toutes les cosmogonies sur la Terre, les quatre éléments primordiaux. Chou, son nom existe jusqu'à maintenant en Pula, ça signifie souffler. Donc, ça fait référence au vent, à l'air. Tefnou, son nom existe jusqu'à maintenant, bon, là c'est marqué Tefnou, mais normalement ça se prononce Tefni. Et le N devient L en Rolof, donc ça va donner le mot Tefli, qui signifie le fait de cracher, l'humidité. Et dans beaucoup de langues, depuis la Somalie jusqu'au Sénégal, le radical tef fait toujours allusion au fait de cracher la salive. Nout, qui représente le ciel, vient d'un mot qui signifie, le mot nit en rolof signifie éclairer, faire du feu avec une torche. D'accord ? Donc, ça fait référence aux étoiles du ciel. D'ailleurs, Nout est représentée comme une femme avec la peau bleue, avec des étoiles. C'est pour vous expliquer que c'est le ciel, mais en même temps, c'est le feu. Geb est représentée comme étant un homme, avec la couleur de la terre, la couleur noire. Et donc, ça symbolise le quatrième élément. Donc, il faut ces éléments pour donner naissance. Les quatre éléments vont donner le cinquième élément qu'on appelle la vie.
Et à ce moment-là, on voit apparaître les enfants, c'est-à-dire Osiris, Isis, Seth, Nephti, Horus l'Ancien ou Horus. Donc, ça va nous donner déjà les cinq jours épagomènes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Osiris, d'après ce qu'on nous rappelle dans Plutarque, Osiris, son nom, c'est Roissar. Ça signifie celui qui est dispersé. Il prend naissance dans la ville de Nicée, c'est-à-dire la ville de Nicée correspond à la région des Grands Lacs. C'est le vrai nom du lac Victoria, Nyanza, qui signifie le commencement, ce qui est au début. Et Osiris, Plutarque nous dit, c'est la représentation du Nil. Vous voyez, donc le Nil prend ses sources dans le lac Victoria pour aller se jeter dans la mer Méditerranée. D'accord ? Et arrivé au niveau du delta, le Nil va se disperser en plusieurs branches, ce qu'on appelle les branches canopes. D'où son nom, Roissar, qui signifie disperser, éparpiller. Voyez, on retrouve ça jusqu'à maintenant en serreur, en roll-off. Et en même temps, si c'est dispersé, c'est l'abondance. On retrouve ça aussi en Bamana. Seth, à contrario, va représenter la mer Méditerranée. Voyez, donc, c'est l'eau salée contre l'eau douce. Et donc, Osiris va mourir, c'est-à-dire le Nil va mourir dans la mer Méditerranée. Donc c'est ça le combat où Osiris, ou Seth plutôt, va tuer Osiris. Isis, dans ce récit, va représenter la terre noire d'Égypte. C'est pour ça qu'elle est représentée comme étant une femme noire. D'accord ? Et quand le Nil passe sur la terre noire, Isis, le Nil va féconder la terre d'Égypte pour donner naissance à Horus. Horus va représenter la végétation. Et Nephti, Plutarque nous explique que Nephti va représenter l'extrémité de l'Égypte, c'est-à-dire les falaises que vous avez avant que le Nil, enfin les falaises, la limite de l'Égypte, où l'Égypte, le Nil, va se jeter dans la mer Méditerranée. Voilà ce que représente Nephti. Mais tous les noms se retrouvent. Par exemple, Horus, c'est un combattant. Donc, la racine consonantique de son nom, HR, va donner le mot Aré, qui en poulard signifie combattre, le fait de combattre. Osiris, on l'a vu, un moment plus tard que nous dit aussi, son nom peut signifier qui a plusieurs yeux. Donc, il faut savoir que Roise signifie beaucoup. Ça signifie en même temps abondance. Ça signifie prospérité. On retrouve ça en poulard, en roll-off, dans d'autres langues aussi. D'accord ? Et les yeux se prononcent ar. Donc, ça fait roissar, qui signifie mot à mot, plusieurs yeux, mais en même temps qui signifie dispersé. Isis, son nom signifie assis, qui signifie la femelle. D'accord ? Mais ce mot-là aussi, dans certaines langues, va signifier la terre, le pays. Donc, on voit que derrière cette légende, en fin de compte, les Égyptiens, ils enseignaient ce qu'on appelle science et vie de la terre. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as des questions par rapport à cette partie. Non, non, pas du tout, Pierre Nilon. Je suis en train de suivre. Franchement, c'est très intéressant. Il y a des questions qui sont déjà en train d'apparaître sur le chat, mais je les ai notées pour la fin. Mais c'est très, je préfère te laisser développer parce que c'est très pertinent et du moins j'en apprends également des choses, donc je préfère prêter attention à ce qui est dit et à la fin je viendrai sur mes interrogations que j'ai notées. Non, puisque là le développement, bon, il y a des choses que je pourrais expliquer, mais par rapport à tes questions, c'est-à-dire quand on prend la cosmogonie, il faut vraiment comprendre que derrière les divinités, ce ne sont pas des divinités dans le sens qu'on l'entend. C'est des éléments de la nature. D'accord. Et donc, en partant de là, on va comprendre que les Égyptiens, ils étaient dans ce qu'on appelle le un et le multiple. D'accord. Je vais poser donc une question. Il n'y avait pas, comme tu as parlé du mot panthéon, il n'y avait pas plusieurs dieux, il n'y avait qu'un seul dieu. Et d'ailleurs, dans beaucoup de langues, par exemple, au russe, certains vont dire que c'est Dieu, mais Horus, quand on voit le squelette consonantique de son nom, on retrouve le mot soninke,
Ari, qui signifie Dieu. Ra, en langue tchadique aussi, une langue qu'on appelle Mukulu, qui est parlée dans un village au Tchad, ce mot-là signifie aussi Dieu, tout simplement. Tum ou Tumu, dans une langue en Éthiopie, signifie aussi Dieu. Donc, on voit bien que les différents noms qu'on retrouve dans ce qu'on va appeler, j'aime pas le mot panthéon, mais les différentes représentations de Dieu, en fin de compte, tous ces mots-là signifient Dieu dans des langues africaines. Et généralement, dans des langues qui partent de la Corne de l'Afrique, et ça va englober toute l'Afrique du Nord jusqu'au Sénégal. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez la génétique, vous voyez que les populations qui sont dans cette région, ces populations ont l'apogroupe E1B1B, et qu'on va retrouver chez ceux qui habitent actuellement le Maghreb. D'accord ? Et quand vous prenez la partie inférieure, ces populations auront l'apogroupe E1B1A. Donc, c'est très important, puisque ça va correspondre aussi plus ou moins à la répartition des langues parlées en Afrique. Voilà. D'accord. Donc, là, sur la photo que tu as mis, bon, on voit déjà une autre représentation, mais c'est la même chose. Donc, on voit que Atum, il est bien contenu dans le Noun. Vous voyez ? Chou et Tefnou. Voilà, avec l'horizon, avec les deux lions. Voilà. Et là, on voit Geb. Ce qui est intéressant, sur la tête de Geb, on voit un oiseau. Enfin, ce n'est pas un oiseau. Certains disent que c'est une poule. Et dans beaucoup de langues, notamment au Cameroun, on a le mot gob qui signifie poule, volaille. Mais le mot gob en Maasai signifie la terre. Pour ça, ils ont un dieu, que le titre de d'Enkai chez les Maasai, c'est Neteru Kop, qui signifie, le mot Neteru signifie ce qui est à l'origine, ce qui est au début de. Voilà, c'est ce que ça signifie. Donc, de l'autre côté, sous l'écran, on a une représentation d'Isis, d'Osiris, voyez, avec Horus. On a encore Nefti, Seth, et Horus l'Ancien. Généralement, dans les représentations en Égypte, les femmes sont représentées en jaune. Et c'est, malheureusement, disons, parce que c'est ce qui fait que certains Européens pensent que c'était des Sémites, des Méditerranéens, que c'était pas. Tout est symbolique. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, puisque vous voyez, Osiris, il est représenté en vert. Donc, ce n'est pas un Martien. C'est un Africain, mais il est représenté en vert, puisqu'en fin de compte, ça représente la végétation. Dans d'autres passages, Plutarque va nous expliquer aussi, puisqu'il y a plusieurs récits, et lui-même, il dit qu'il les a fragmentés pour essayer de présenter quelque chose qu'on puisse comprendre. Et dans d'autres récits, Osiris va représenter le principe de l'humidité. Et Seth, son ennemi, va représenter la sécheresse. En Afrique, on a ces deux problèmes, la saison des pluies et la sécheresse, d'accord ? Surtout dans le Sahel. Et c'est ça qui sera à l'origine de la désertification du Sahara. Et ça explique aussi pourquoi Osiris, dans certains passages, Osiris, il est représenté en noir. Parce que l'eau, quand l'eau passe, la terre devient fertile. Et donc, la terre n'est pas une terre rouge. C'est ce qu'on appelle la terre primordiale, le tiernosium. Et donc, à contrario, quand il y a la sécheresse, on représente Seth en rouge, qui est la couleur du désert. Donc, ça explique ces deux représentations. Osiris, qui sera tantôt représenté en noir et tantôt en vert, parce que c'est la végétation, et Seth, qui sera représenté en rouge. Et les peuples européens en Égypte seront assimilés à Seth. Et Cheikhanta Diop l'avait expliqué que les Égyptiens ne pouvaient pas être des leucodermes parce qu'en Égypte, généralement, on massacrait, qu'on trouvait certaines personnes à un certain moment, c'est regrettant. Ça se fait jusqu'à maintenant, des gens un peu albinos, on avait tendance à les sacrifier. Là.
Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, donc j'aimerais bien répondre aux questions. J'ai une question, professeur. Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de multi-dieu en Égypte. Oui. Alors, quelle est la différence entre les divinités, les déesses et Imana, donc Dieu? Quelle est la différence déjà qu'on peut avoir? Et la deuxième question, j'ai cru entendre et j'ai cru prendre connaissance et j'ai cru savoir que dans le panthéon, c'est pour ça que j'ai persisté au début et j'ai insisté sur cette question, dans le panthéon égyptien, il y avait eu des divinités qui venaient de l'extérieur, qui avaient été adoptées, une espèce de syncrétisme au niveau du panthéon même. Or, ma question est de savoir si au niveau de la cosmogonie, qui est celle de nos ancêtres, entre autres, hein, parce que quand on analyse l'histoire, on réalise que en fait, ça c'est une colonie qui a été développée par nos ancêtres. Donc, partant de là, je parle sous ton contrôle, hein, on dira ça comme ça. Partant de là, ma question était de savoir si dans la cosmogonie, il y a eu une adoption, un emprunt, une assimilation, un syncrétisme des dieux ou des divinités ou des, oui, étrangères. Comment peut-on dire et comment peut-on affirmer aujourd'hui que notre vision spirituelle n'a pas fait l'objet d'influences extérieures? Ça, c'est la première question. Donc, et la deuxième question, pour ceux qui n'ont pas toujours la notion entre la divinité, les déesses, Dieu ou Imana, qu'ils soient fixés dessus. Parce que quand on dit que l'Égypte n'avait pas plusieurs dieux, et que on dit que c'était une religion monothéiste, et que c'est la perception des autres qui empêche, du moins c'est leur analyse qu'ils ont projetée dessus, ça peut perturber. Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'éclaircir ces choses-là? Et la question qui était celle de tout à l'heure, de l'emprunt, du syncrétisme, est-ce qu'il peut y avoir une clarification sur cette question pour qu'on comprenne un peu? Parce que si la spiritualité, elle est synthétisée, elle est, pardon, elle est syncrétisée, eh bien le reste va suivre en fait. Ben, comme je l'ai expliqué déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on raisonne avec notre mentalité du 21e siècle sous une civilisation qui remonte à plusieurs millénaires. Donc, on va employer des concepts par rapport au fait qu'on a été plus ou moins à l'école occidentale. Donc, on va être formaté, on va employer, même moi, je suis passé par là. Donc, à un certain moment, j'expliquais aussi que les Égyptiens, ils étaient polythéistes et Akhenaton a donné le monothéisme parce que c'est ce qu'on enseigne. Donc, quand vous venez ici, on vous formate. Déjà, vous êtes formaté à travers les religions abrahamiques où on vous explique que Pharaon, il est maudit, que les Égyptiens adoraient plusieurs dieux, que les Hébreux, ils ont apporté le monothéisme. Donc, quand vous entendez ça, vous êtes formaté. D'accord? Même à la maison, vous avez vos enfants dernièrement, bon, c'était la Pâque, les enfants, ils sont devant la télé, ils sont formatés par les images qu'ils voient. D'accord? Et donc, il faut savoir que l'Égyptien, pour lui, comme j'ai expliqué la cosmogonie, il faut rester dans sa cosmogonie. Et dans cette cosmogonie, il y a le noun. Et c'est ce qu'on appelle le un et le multiple. C'est-à-dire, il y a une entité, une énergie qui va se fragmenter en plusieurs parties, mais c'est toujours la même énergie. Et donc, c'est ce qu'on appelle le un et le multiple. Et même Akhenaton, comme je l'ai dit, qui a, entre guillemets, à qui on veut faire remonter le monothéisme, mais déjà le nom qu'il va utiliser pour parler du divin, le nom Aton, existait déjà, bien avant. On a ça dans les textes des pyramides, c'est-à-dire on est pratiquement 1000 ans avant sa naissance. Donc il ne pouvait pas inventer quelque chose, il ne pouvait pas inventer un dieu dont le nom existait 1000 ans avant sa naissance. Et en plus, dans les textes, par exemple, à l'époque de Sinoué, quand le roi il meurt, on dit qu'il a été rejoindre
le corps Aton, le corps de Dieu. Donc, ce qui montre que déjà, on savait que Aton, c'est le corps de Dieu, que c'est Dieu. Donc, il ne pouvait pas l'inventer non plus, parce que ça existait bien avant. Et lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que, à la colonne numéro 11 du grand hymne d'Aton, « De toi, tu crées des millions de formes, de manifestations. » Donc, il est dans la vision de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire le un et le multiple, un Dieu qui se manifeste sous plusieurs formes. On retrouve ça déjà, même, vous voyez, par exemple, je vais prendre des parallèles pour les gens qui sont dans des religions abrahamiques. Chez les Juifs, quand ils parlent du divin, ils disent, par exemple, Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire au commencement, les dieux créa. Voyez. Donc, il y a le mot Elohim, c'est le pluriel, et le mot bara, c'est le verbe conjugué au singulier. Donc, ils ne disent pas les dieux créèrent, mais les dieux créa. Donc, ils vont vous dire c'est le pluriel de majesté. Ils vont donner plusieurs noms aussi au divin. Donc, ça va être Yahvé, ça va être Elohim, ça va être El Shaddai. Il y a plusieurs noms, ça va être aussi Adonai. Et les Juifs de maintenant, des fois, ils disent Hachem, le nom. Dans le christianisme, on va dire qu'il y a, je crois, un seul Dieu, un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité. Vous voyez, un seul Dieu, mais trois manifestations. Dans l'islam, on retrouve la même chose. Il y a un seul Dieu, mais qui a 99 noms. Donc, on pourrait dire 99 manifestations, parce que chaque nom relève d'une qualité, d'une manifestation du divin. En Égypte, on a précédé, il y avait la même chose. Il y avait un Dieu, mais qui pouvait prendre des millions de formes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Akhenaton. D'accord? Et on retrouve ça partout en Afrique. Donc, Amma, Amon, Ra, Horus, tout ça, c'est la même chose. Après, il y a comme j'ai expliqué au début, des éléments. Il y a des éléments qui sont du genre masculin, des éléments qui sont du genre féminin. Donc, on pourrait dire qu'il y a des manifestations qui relèvent du genre féminin, des manifestations qui relèvent du genre masculin. Et donc, quand la manifestation est du genre masculin, on va dessiner un dieu, entre guillemets. Quand c'est du genre féminin, on va dessiner une déesse. Mais c'est la même chose. Chaque chose a son contraire. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième, c'était, si tu peux me rappeler la deuxième question. Oui, la deuxième question, c'était de savoir, puisqu'on apprend qu'il y a eu des divinités... Ah oui, ça y est, je me rappelle. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Égypte, très tôt, a tiré différents peuples. Donc on sait que depuis vers 2000... 12e dynastie environ, il y a des Sémites qui viennent en Égypte. Donc, on a ça dans la tombe de Khnoumhotep, c'est la 12e dynastie. Mais ces gens, ils ne sont pas venus simplement pour vendre leur bétail en Égypte. D'ailleurs, on avait du bétail, on n'avait pas besoin qu'ils nous vendent quoi que ce soit. Le plus souvent, ils fuyaient la famine. Donc, ils venaient pour séjourner en Égypte. Mais ces gens, ils avaient leur Dieu, ils avaient leur croyance. Donc, une fois qu'ils viennent en Égypte, ils viennent aussi avec leur divinité. Ils viennent avec Baal, ils viennent avec Anat, ils viennent avec Moth, notamment. Donc, on a ça dans les tablettes d'Ougarit. Et donc, en France, pour que les gens puissent comprendre, comme il y a une communauté musulmane en France, ben les musulmans, ils arrivent avec leurs croyances religieuses. Comme il y a une communauté juive, ben les juifs, ils sont arrivés avec leurs croyances. Il y a des bouddhistes, les bouddhistes, ils arrivent avec leurs croyances. Vous voyez, si vous allez dans le 13e, il y a le quartier chinois, ben, ils ont leurs croyances, ils pratiquent leurs fêtes. Et ben, en Égypte, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y avait des étrangers, ils étaient là pour plusieurs siècles, ils ont séjourné, ils avaient leur divinité. Et comme je vous ai expliqué que les divinités en question, par exemple, on va dire Seth, va correspondre à Typhon chez les Européens. Donc, ils ont regardé la manifestation de la divinité, à quoi ça pouvait correspondre chez eux. Le parallèle, quoi. Un peu comme quand vous convertissez de l'argent, du dollar en euros, etc. Donc, ils ont vu que, par exemple,
telle divinité égyptienne, telle manifestation plutôt de la divinité va correspondre à tel principe chez eux. Et c'est ainsi qu'on va voir en Égypte, il y aura des noms qu'on va retrouver, comme je l'ai expliqué déjà. Par exemple, le pharaon Ramsès II aura sa fille qui va s'appeler Bint Anat, la fille d'Anat. Vous voyez, lui, il est au chef, au sommet de l'État, et sa fille s'appelle la fille d'Anat. Donc le mot Bint, jusqu'à maintenant, on va retrouver ça en Afrique, les gens vont appeler leur fille Binta, Bintou. Ça vient des langues sémitiques, Bint, qui signifie fille, et le nom de la déesse, Anat. Vous voyez, donc c'est tout à fait normal. Quand, par exemple, il y a eu les Noirs qui ont été déportés aux Antilles, ils ont fait du syncrétisme, c'est-à-dire ils ont pris leur divinité, les manifestations de la divinité, ils ont pris l'équivalent chez les Européens et ils ont caché derrière pour pouvoir pratiquer leur culte pour une simple et bonne raison, c'est que dans l'article 2 du Code noir, sous huitaine, il fallait qu'ils soient convertis à la religion catholique, la religion romaine. Donc, contrairement à l'Égypte où il n'y avait pas un code noir, les gens ils pouvaient pratiquer leur religion sans pour autant cacher derrière, comme on dit. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, puisque j'aime bien les questions que de parler tout seul. J'aime pas en principe les monologues, je préfère le dialogue. Pardon, oui, en fait, je n'avais pas mis le micro, j'avais baissé le son de mon micro, en fait. Mm-hmm. Alors, ok, merci déjà pour ces réponses. Je souhaitais avoir les questions du chat qui ont disparu au fur et à mesure que le panel, le chat était en train de causer, les questions ont disparu. Donc, il y en a qui m'ont posé des questions. Est-ce que vous pouvez reposer vos questions, s'il vous plaît, que je les relève, que je les remonte au niveau. Alors, question, tu peux lui dire, c'est une question ou c'est une réponse, c'est une affirmation. Alors, je ne sais pas, c'est une question. Tu peux lui dire que la barque des morts avec la proue relève, alors, elle est où cette question? Avec la proue relevée, ressemble fort aux funérailles, au funérailles du roi. Mais ça, ce n'est pas une question, Atlas. Ça, tu me demandes de dire quelque chose. On n'est pas dans la spéculation. On est en train d'échanger là. Donc, on n'est pas dans la spéculation, en fait. Donc, ta question n'est pas, c'est pas une question. Je voulais les questions. J'ai compris. Bon, il dit que oui, il peut y avoir des ressemblances. C'est normal. Il n'y a pas 150 000 façons de faire une barque. Donc, on peut aussi voir, par exemple, on peut faire des parallèles encore plus forts avec c'est en Éthiopie. Par exemple, les pirogues, là, qu'on appelle Tankwa. Oui. De papyrus. Donc, d'ailleurs, c'est le prototype. Oui. C'est comme ça que l'Égypte a été colonisée par des Éthiopiens. D'accord. Alors, il y a Konir qui dit que... bonjour, Monsieur Nilon. Attendez. Bonjour, Monsieur Nilon. C'est très intéressant. Moi, c'est la chronologie qui me pose un souci avec les dynasties et tout ça. À quand remonte la première datation de la cosmogonie du pays noir? Voilà une question posée par... Ben là, il me parle de chronologie qui pose des soucis. Effectivement, il y a des soucis au niveau de de la chronologie. Parce que si vous prenez, par exemple, actuellement, on va situer le début de l'Égypte, l'unification de la route et Basse-Égypte, c'est-à-dire du nord et du sud, vers 3000. Mais il y en a qui se situent vers 3200. Donc, ça fait déjà une fourchette de quand même 200 ans pour situer cet événement. Personnellement, moi, je situe vers 3200. Pour une raison simple, c'est que tout est lié. C'est-à-dire que chaque événement va impacter sur l'autre. Et si vous prenez, par exemple, ce qu'on appelle une période sautiaque, qui est de 1460 ans, et que vous prenez, par exemple,
en l'an 139 de l'ère chrétienne, où il y avait une période sotiaque, et qu'on remonte, on arrive à 1321-1322 avant l'ère chrétienne. Et dans les écrits anciens, on dit que c'est à ce moment-là que le pharaon qu'on va appeler Menofret, qui en fin de compte c'est Ramsès Ier, va accéder au pouvoir. Donc on sait que, contrairement à ce qu'on met son règne vers 1300, donc il faudrait mettre plutôt vers 1322. Donc on a déjà une différence d'une génération. Et si à cela vous ajoutez que c'est le 75e pharaon sous la liste royale d'Abydos, d'accord ? Donc si vous prenez 75 pharaons qui l'ont précédé, que vous multipliez à raison de 25 ans en principe par génération, par règne, on arrive à 3200 avant l'ère chrétienne. Vous voyez ? Et sachant qu'avant cela aussi, il y avait ce qu'on va appeler la dynastie zéro, que certains vont identifier à ce que les égyptologues appellent les Shemshouar. Donc là encore, on va remonter dans le temps. Donc, il avait posé une question par rapport à la chronologie. Il faut savoir que la chronologie, on se base surtout sur ce que Magneton de Sebenitos a laissé comme chronologie. Enfin, il avait réparti au niveau des dynasties. Donc, on va essayer de reprendre ce découpage de Magneton de Sebenitos, qui est un prêtre du 3e siècle avant l'ère chrétienne, qui était au service des Ptolémées. D'accord ? Donc, et c'est lui qui va écrire une histoire d'Égypte pour les Ptolémées, donc pour faire connaître le peuple égyptien. Donc, là aussi, il me parle de pays noirs. Je ne sais pas s'il voulait parler de la dynastie nubienne, peut-être. Il voulait savoir peut-être à quand remonte la première datation de la cosmologie ou de la chronologie, je ne sais pas. Je crois qu'il voulait dire la cosmologie. Il a répété ça en bas, la cosmogonie. Parce que la cosmologie, ben, il n'y a pas de datation. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé un document où on donne à quand ça remonte. On sait qu'on a trouvé les textes qui en parlent, c'est dans les textes des pyramides. Donc, c'est à l'époque du pharaon Ounas. Donc, on est vers 2350 à 2400 avant l'ère chrétienne. Donc, à partir de là, on a des documents. Après, on va avoir pas mal de documents, les textes des sarcophages, on va avoir les papyrus Ani dans le livre des morts. Donc, on a l'époque Ramesside. Après, on aura, par exemple, des documents. On aura les tablettes d'Abou Sir. On aura la liste royale d'Abydos, le papyrus de Turin. Il y a beaucoup de documents où on a une chronologie. Donc, ça va nous permettre de vérifier et d'établir une chronologie. Mais après, il faut savoir aussi qu'il y a des règnes. On ne sait pas la durée des règnes. Donc, on va prendre la dernière date mentionnée. Et donc, on va se dire, par exemple, si un pharaon, la dernière date de son règne, on va dire, ben, il a régné au moins 30 ans. Mais ça se trouve qu'il a régné 50 ans. Donc, de toute façon, on ne peut pas avoir une chronologie exacte. Après, on va se référer aussi, l'histoire, on ne vit pas son histoire seule. Il y a d'autres peuples qui vont arriver en Égypte où il y aura des noms des rois. On va faire la correspondance par rapport à ce qu'on sait de l'histoire de la Grèce, de Rome, de la fondation de Rome. Mais même là encore, il y aura des divergences. Voilà. Merci pour la réponse. Oui, c'est tout à fait la question qui posait Cosmogonie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que le professeur Pierre Nion n'a pas... Si, par exemple, il voulait comprendre pour la dynastie, peut-être ce que les Européens appellent les pharaons noirs. Donc là aussi, c'est une supercherie. Parce que étant donné que les anciens Égyptiens, c'était des Éthiopiens, donc, il ne faudrait pas parler de pharaon noir, mais de pharaon blanc. La première fois qu'on a vu des pharaons blancs, c'était à l'époque des Ptolémées. Et encore, le mot pharaon, c'est une invention des Ptolémées. C'est-à-dire, dans les textes égyptiens, à aucun moment vous verrez le chef de l'État porter le titre de pharaon. Vous voyez ? Donc, il va s'appeler Nab, qui est Naba, qui signifie le maître.
comme le mot Ronaba du Burkina Faso chez les Mossi. Voyez. Et donc, la 25e dynastie sera qualifiée de noire par les égyptologues occidentaux. C'est de façon à vous faire comprendre que les autres pharaons n'étaient pas noirs. Donc, c'est juste une façon de noyer le poisson dans l'eau, mais ça ne marche pas. D'accord. Donc, il y a une question qui est posée par Atlas. Il dit que d'après les développements que vous venez de faire, professeur, ça fait à peu près dans les 3000 ans. Plus de 3000 ans. D'accord. Parce que si on prend environ, et encore là, je vous épuis l'unification de la route des Basses-Égyptes, donc 3200. Ça, c'est honnêtement la date la plus juste pour le premier pharaon. Certains vont dire Narmer, d'autres vont dire Ménès. D'accord. Mais sachant qu'avant, il y avait d'autres dynasties qui ont précédé cet événement. Là, ça va être le, comme on dit, l'élément fondateur de la civilisation. C'est même pas un royaume, c'est un empire. D'accord? Parce que c'est un empire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de l'ancien empire, le nouvel empire, le moyen empire. C'était des empereurs. Donc, c'était même pas des rois. C'était des empereurs, des rois des rois. Et il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle la période Nagada, c'est-à-dire on est vers 3400, 3500 avant l'ère chrétienne, où on a déjà des traces en Nubie de ce que va être l'Égypte des pharaons. Parce que tout vient de la Nubie. De la Nubie, vous avez des populations qui se sont dirigées vers la corne de l'Afrique. De la Nubie, vous avez des populations qui se sont dirigées vers l'Égypte et vers l'Afrique du Nord. Voilà. D'accord. Professeur, il y a une question qui est posée là, par CM Fro. Est-ce bien en utilisant les précisions des équinoxes que les Égyptiens ont établi l'ère de l'Api? Y a-t-il une civilisation avant? Et ensuite, il y a une autre question de Item. Oui, allez-y, professeur. Oui, les Égyptiens, bon, ils connaissaient très bien l'astronomie, puisque si vous allez, par exemple, à Nabta Playa, qui se trouve au sud de l'Égypte actuellement, mais il faut savoir qu'à l'époque, ce site se trouvait en Nubie, parce qu'il faut prendre à l'époque de l'Empire pharaonique, parce que nous, on raisonne par rapport aux frontières qui ont été tracées en 1885, la conférence de Berlin. Donc, mais si vous voulez comprendre l'Égypte et le Soudan, à tous les coups, il faut avoir à l'esprit que l'Égypte s'arrêtait à Aswan. C'est-à-dire tous les monuments qui sont au-dessus d'Aswan, ce ne sont pas des monuments égyptiens. Ce sont des monuments nubiens, couchites, soudanais. D'accord? Et donc, quand vous regardez Nabta Playa, à l'origine, avant la colonisation, avant ce tracé de 1885, Nabta Playa se trouve au Soudan. Et c'est là qu'on a les plus anciennes observations archéologiques, enfin astronomiques. Donc c'est à Nabta Playa au Soudan. Et donc les Égyptiens, ils connaissaient très bien la rotation du soleil, ils connaissaient les équinoxes, ils connaissaient les solstices, etc. Et ça servait aussi à faire des datations. Parce que le calendrier nilotique, que j'ai restitué d'ailleurs, ce calendrier est basé là-dessus, justement. Et ça, c'est connu depuis l'époque bien avant, puisque depuis le pharaon Djoser, on a des datations, on voit que ce calendrier est utilisé. Et c'est logique, puisqu'on a des preuves de son existence en 4236 avant l'ère chrétienne. La deuxième question, c'était ? La deuxième question, c'est la suivante. Est-ce qu'il peut expliquer, s'il te plaît, la cause des différents sens de lecture des médous ou des cartouches? Oui. Ben, les différents sens de lecture, c'est qu'il n'y a pas différents sens de lecture à proprement parler. Si, il y en a, mais il faut savoir que le sens de lecture, c'est par rapport aux êtres animés.
Donc, il faut aller à la rencontre des êtres animés. Ça, c'est le sens de lecture. Mais après, on pouvait disposer les médous dans tous les sens. On pouvait de droite à gauche, de gauche à droite, de bas en haut, de haut en bas. Il y a des inscriptions, puisque généralement, les occidentaux disent qu'on ne peut pas lire du bas vers le haut. Non. Si vous prenez, par exemple, cartouche de Toutankhamon, où c'est marqué Nebkepérouré, ben la seule façon de lire, c'est du bas vers le haut. Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle l'antéposition honorifique, c'est-à-dire on va toujours écrire le nom divin par respect avant. Et c'est pareil aussi dans les inscriptions. Le mot roi, le mot qu'on va traduire par Nissout ou Sout ou Soudan, on va toujours l'écrire avant. Et après, on va mettre si c'est sa femme ou si c'est son enfant. C'est-à-dire le fils du roi. Donc, ils vont écrire le mot roi et après, il y aura le mot fils. C'est-à-dire ils vont dessiner ce qu'on appelle le jonc et après, il y aura le canard. Ou plutôt, oui, c'est un canard. Donc, voilà. C'est simplement des conventions. Donc, ça suppose déjà de bien connaître la langue pour essayer de voir dans quel sens il y a des règles de grammaire, quoi, comme dans toutes les langues. D'accord. Alors, professeur, il y a une question qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet de ce soir, de cet après-midi. C'est « Bonsoir, Monsieur Pierre Nilon. J'aimerais savoir si, de votre point de vue, la science était plus avancée au temps de notre ancêtre, ou si oui, pourquoi ? » Bon, il y a cette question et il y a une autre question. Oui. Ben, je vais répondre à celle-là d'abord. La science, il faut savoir, c'est quoi qu'on entend par la science ? Le mot science, c'est le savoir. Mais la science est vaste. Le savoir est vaste, et c'est un océan. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs disciplines. Oui, dans certains domaines, c'était plus avancé, dans d'autres, je dirais non. Parce que, bon, maintenant, on fait la fusion nucléaire, donc on fait des bombes atomiques, on va dans l'espace, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Les systèmes de communication, par exemple, on peut être à des milliers de kilomètres et on peut se parler, on peut se voir sur un écran. Oui, là, c'est beaucoup plus avancé qu'à l'époque où il fallait envoyer un messager pour transmettre un message. Tandis que maintenant, on prend son téléphone. Oui, dans ce sens, oui. Mais après, si on va prendre du point de vue architecture, les connaissances que les Égyptiens avaient, la façon dont ils travaillaient certaines pierres, oui, c'est plus avancé que maintenant. On a perdu ces connaissances. Voilà. Donc, tout dépend dans quel domaine qu'on se place. Donc, il faut étudier au cas par cas et il faut être spécialiste dans chaque domaine pour pouvoir comparer. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour les réponses. Je voudrais, je ne sais pas combien de temps vous aurez, les questions commencent à fusionner. En fait, c'est maintenant que les questions arrivent. Est-ce que le système de l'initiation est l'une des causes de déclin de l'Égypte, comme le pensent certains? Bon. Je dirais oui, quelque part. Oui. Parce que le gros problème, enfin, il faut savoir qu'en Égypte, l'initiation, mais ce n'était pas que en Égypte aussi, en Occident, c'est pareil. Il y avait ce qu'on appelle l'école de Palais. Donc, en France, on dit c'est Jules Ferry. C'est pas Charlemagne, parce qu'à l'époque de Charlemagne, c'était l'école de palais. Donc, les princes, ceux qui allaient exercer le pouvoir, la noblesse était instruite, mais pas le peuple. En Égypte, on dit que c'est la même chose. Il y avait un peu un système comme des castes. Donc, les nobles, les princes, ils étaient éduqués. D'accord? Et donc, les prêtres aussi. Une fois que Cambyse est passé et qu'il a éradiqué toute la noblesse, à ce moment-là, c'est sûr que l'Égypte a chuté au niveau de la connaissance. Et donc, quand les Grecs arrivent, ben, les Égyptiens qu'ils vont rencontrer n'avaient pas le savoir des anciens Égyptiens. C'est comme n'importe quel peuple, à partir du moment où vous ne contrôlez pas votre système éducatif, où vous laissez l'éducation de vos enfants à des étrangers, ben, les étrangers, ils ne sont pas là pour vous faire briller, hein, ils sont là pour vous exploiter.
Donc, c'est ce que les Européens font maintenant. Quand on parle d'immigration choisie, donc ils vont prendre certaines personnes, mais c'est juste par intérêt. C'est exactement la même chose qui s'est passée dans l'Antiquité. Donc, si les Égyptiens avaient fait comme, par exemple, on dit que les Grecs, quand ils ont été initiés en Égypte, donc ils transmettaient au peuple le savoir. Enfin, certains disent qu'ils prostituaient leur savoir parce qu'ils se faisaient payer. Mais par ce système, ça permettait à la connaissance de traverser les siècles et d'arriver jusqu'à nous. En Égypte, bon, je pense que le fait qu'il n'y avait pas d'école où les gens pouvaient aller avoir accès au savoir comme maintenant, oui, ça a précipité la fin. Mais bon, ça, c'est des sujets qui nécessitent vraiment un débat de fond. Mais en gros, le système initiatique où on ne donne pas le savoir à tout le monde, ou alors c'est donné d'une autre façon. Par exemple, au début, je vous ai dit, au niveau de la spiritualité, il y a la légende, ce que les gens connaissaient, l'histoire d'Osiris qui circulait, et après, il y avait la véritable explication qui se cachait derrière. Vous voyez? Donc, les anciens, ils enseignaient en parabole, par des fables, et derrière, il y avait la vraie connaissance. Donc, les fables, si vous allez en Afrique, tout ça existe, mais la vraie connaissance derrière, ça, c'est autre chose. Vous voyez? D'accord. C'est un peu comme, par exemple, si un moment, les Européens avaient été colonisés, ils ont oublié leur histoire, ils vont faire des fêtes, la Pâque, ils vont se faire des cadeaux à Noël, des trucs comme ça. Mais ça va être le côté folklorique. Mais savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière, ça, c'est autre chose. En Égypte, c'était la même chose. Les gens, ils faisaient des fêtes, ils faisaient la naissance de telle ou telle divinité, telle offrande, mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière l'enseignement caché. Je viendrai sur une anecdote d'ici la fin pour soutenir ce que vous êtes en train de développer là, qui est très pertinent. Et ça va rejoindre ce que vous étiez en train de dire. Il y a deux questions qui m'ont paru pertinentes que je voudrais relever si on a encore quelques minutes avec vous, professeur. Alors, la première, c'est quand vous dites que les pharaons sortent d'Éthiopie, de quelle Éthiopie faites-vous De quelle Éthiopie faites-vous? Bon, voilà, je dis comme c'est écrit, hein, faites-vous allusion. Est-ce que c'est la région de l'Éthiopie actuelle? Ça, c'est la première question. Ben, quand vous dites les pharaons sortent d'Éthiopie, oui, ça c'est une très bonne question. Il faut savoir que au niveau des anciens, l'Éthiopie commençait, comme j'ai dit, à Aswan. Et apparemment, ben là on n'a pas vraiment de preuves, ça s'arrêterait plutôt dans la région de l'Ouganda, c'est-à-dire pratiquement la région des Grands Lacs. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un passage d'Hérodote, Hérodote va dire que le Nil prend naissance en Libye. Libye, pour les anciens, bon, il faut savoir que pour les Grecs, ils appelaient le continent africain la Libye. C'est-à-dire toute l'Afrique était appelée la Libye. D'accord? Et donc, il dit que ça prend naissance en Libye. Donc, il fait allusion à la région des Grands Lacs, traverse l'Éthiopie, arrive en Égypte et se jette dans la mer. Donc le Soudan, l'actuel Soudan, ce serait l'Éthiopie et la région des Grands Lacs, on pourrait l'appeler aussi Éthiopie également. Donc ça veut dire que quand on parle des pharaons qui viennent d'Éthiopie, apparemment il y avait qui venaient des deux régions, c'est-à-dire du Nil blanc et du Nil bleu. Donc on retrouve ça aussi quand on fait le génome des anciens Égyptiens. On va retrouver une partie de la population, la plus grande partie sera de l'Apollo Group qu'on retrouve dans la région du lac Tana et d'autres dans la région des Grands Lacs. Voilà. Ben après, il faut savoir aussi une chose, c'est quand on fait de l'histoire, les populations ne restent pas sur place. D'accord? Ça veut dire que le visage d'un pays peut changer en une ou deux, trois générations. C'est-à-dire les Éthiopiens de l'Antiquité et les Éthiopiens de maintenant ne sont pas forcément
les mêmes personnes. Parce que quand vous prenez, par exemple, l'Éthiopie de maintenant, qu'on va appeler l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Abyssinie, c'est le roi Ménélique qui va donner ce nom-là d'Éthiopie. Et donc, souvent, quand on entend que c'était des Éthiopiens, on va tout de suite penser à la corne de l'Afrique. Pas spécialement. Mais il y en a qui disent que ça, c'est la grande Éthiopie, que l'Abyssinie, la Somalie, tout ça faisait partie. D'autres vont dire que non, que c'est juste le Soudan et l'Éthiopie, l'Érythrée, l'Abyssinie, c'est le pays de Punt. Moi, je suis de cet avis. Je vois une autre question. C'est professeur Pierre Nilon. Est-ce que la Nubie n'est-elle pas donc oui. créée, n'a donc pas créé l'écriture avec avant l'Égypte? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais d'ailleurs, il y a Diodore de Sicile qui dit que l'écriture, les Éthiopiens ont inventé l'écriture, que les hiéroglyphes sont des inventions des Éthiopiens. Donc, il faut savoir que l'Éthiopie en question, c'est à partir d'Aswan, c'est-à-dire c'est le Soudan. Donc, c'est de là, c'est à l'époque, parce que je vois les questions que ça va engendrer, parce que vu que dans les cartes, sous les cartes médiévales, on va mettre, par exemple, ce qui correspond au Congo comme étant l'Éthiopie. Donc, les gens vont penser que, vu qu'à cette époque, il y avait des Bantous qui habitaient cette région, auparavant, il y avait des Pygmées un peu partout, au Cameroun, dans toute cette région. Et donc, les gens vont penser que la langue en question est une langue Bantou. Non. Puisqu'à l'époque où l'Égypte va avoir l'écriture, les Bantous ne sont pas mentionnés dans cette région. Donc, c'est les langues couchitiques. Depuis l'Ouganda, vous voyez, dans la région des Grands Lacs, et en passant par l'Égypte et une partie du Maghreb, c'était des langues couchitiques qu'on parlait. Et ces langues sont considérées aussi comme étant des langues nilo-sahariennes. D'accord? Il y a des ressemblances, il y a des différences fondamentales entre ces langues et les langues bantoues. Il y a aussi des points de similitude, hein, mais ça relève de ce que le professeur Obenga appelle le négro-égyptien, c'est-à-dire des mots, des racines communes, quoi. Mais de toute façon, tout ça, j'explique tout ça dans mes cours de camitologie avec des exemples et en donnant pas mal de preuves. Professeur, est-ce qu'on pourrait avoir les coordonnées en live, en chat privé, que je puisse les afficher, s'il vous plaît? Les coordonnées de... Les coordonnées pour ceux qui veulent suivre les cours. Il faudrait qu'ils aillent sur ma page Facebook. Ils ont tous les renseignements. D'accord. Il y a quelqu'un qui pose la question par rapport au documentaire Pyramide K 2019. Tout à fait. Déjà, c'est un très bon documentaire. Donc, je connais Frémy Krasniqi, donc on a échangé. C'est un très bon documentaire. D'ailleurs, je dirais que c'est l'un des meilleurs documentaires sur l'Égypte. D'accord? C'est le meilleur documentaire jusqu'à preuve du contraire. Par contre, comme je lui ai dit, il y a certaines choses, par exemple, la théorie de la goutte d'eau pour le maître, je suis un petit peu sceptique, d'accord? La théorie de pierre fendue semble très plausible, oui. Il y a aussi Davidovich qui en avait parlé, et oui, c'est de la pierre fabriquée, c'est possible. Parce que l'égyptologie, vous savez, c'est tellement vaste. Moi, je ne m'intéresse pas forcément à la construction des pyramides. Il y a des gens qui sont plus spécialisés là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout au niveau de l'écriture. Merci beaucoup, professeur, pour vos réponses. Je ne sais pas combien de temps vous avez encore à nous consacrer. Disons encore 5-10 minutes. Alors, il y a une autre question. Merci à vous. Que pensez des Arabes qui vivent aujourd'hui en Égypte? Sont-ils les descendants des pharaons ou reconnaissent-ils qu'ils sont des étrangers? Oui. Ben, le problème, c'est que, vous savez, l'Égypte a été envahie tellement de fois par les,
les Assyriens, bon, il y a eu les peuples de la mer. Bien avant, si on remonte, il y a les Hyksos, les peuples de la mer. Les Assyriens sont passés, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Turcs, les Anglais, les Français. Donc, il y a un sacré mélange là-bas. Et donc, parmi tous ces gens-là, effectivement, il y en a qui sont descendants des pharaons, ça c'est clair. On ne peut pas nier les faits. Mais c'est très facile de montrer à un arabe que lui n'a rien à voir avec l'Égypte. Il faut connaître déjà la langue arabe et il faut prendre des choses techniques. Par exemple, si vous prenez au niveau des pronoms personnels. Donc, si vous prenez, par exemple, chez les Berbères, ils ont 11 pronoms personnels. Chez les Sémites, c'est-à-dire juifs et arabes, ils en ont 10. Chez les anciens Égyptiens, tout comme chez les peuples de langue tchadique, il y en a 8. Donc, déjà à ce niveau-là, on peut leur montrer ben, que ces groupes sont séparés. Il n'y a rien à voir. Après, au niveau du vocabulaire, au niveau de la syntaxe, c'est très facile à démontrer. Et après, il y a tout le témoignage des auteurs de l'Antiquité. Il y a le comportement des Égyptiens aussi. Il y a les représentations. Donc, c'est facile à démontrer. Donc, la prochaine question, c'était. Elle est, alors, cette question, je ne sais pas si c'est une question, professeur. Je vous la mets là, mais c'est concernant les cérémonies qui se passent des temps-ci en Égypte. J'ai appris également et j'ai suivi que ils avaient dépensé des millions, des milliards pour une parade, mais qu'ils avaient déjà blanchi tout ce qu'il y avait comme artefact dans les musées et que désormais on va présenter une histoire égyptienne blanchie. Donc, je ne sais pas si c'est de ça dont il est question dans cette question de Sisi RCC. Sinon, il y a une question claire. Que pensez-vous du livre de Toth? Personnellement, je n'ai pas encore vu ce livre. Donc, je peux pas en parler. Parce que je sais qu'on parle de livre de Thoth, c'est surtout au niveau de l'hermétisme qu'on parle de ça, qu'Hermès Trismégiste, c'est-à-dire Thoth, aurait rédigé un livre, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas ce livre-là. C'est-à-dire, quand je dis qu'on l'a pas, on n'a pas un livre authentique, c'est-à-dire sur un papyrus égyptien, qu'on pourrait dire ça, c'est le livre de Thoth. D'accord, professeur. Je crois que je vais vous solliciter encore pour une question ou deux, je ne sais pas. Que pensez-vous? Est-ce que le site des pyramides de Gizeh a été choisi en référence aux lignes de Dlei, c'est-à-dire que les lignes énergétiques de la Terre? C'est fort possible. C'est fort possible. Parce que c'est toujours difficile de dire pourquoi les gens ils ont sélectionné initialement tel ou tel site. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les pyramides à l'origine, c'était des tombes. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, comme il y avait des Sémites qui venaient. On est vers 2500, ils commençaient à faire des incursions en Égypte et à piller les tombes. Parce qu'il faut être clair, ce n'est pas les Égyptiens qui pillaient leurs propres tombes. Il y a eu des Égyptiens aussi qui ont essayé de piller des tombes, mais le plus souvent, c'était l'œuvre des étrangers, tout comme maintenant, hein, c'est eux qui profanent les tombes de nos ancêtres. D'accord? Et donc, ils étaient à la recherche de l'or, ils pillaient, et à ce moment-là, les Égyptiens, ils ont décidé d'enterrer leurs morts beaucoup plus au sud. Donc, ça, c'est motivé par cette région. Donc, le cimetière royal a été transféré beaucoup plus au sud afin d'éviter le pillage. Je ne sais pas si je peux prendre une dernière question. Je vous la donne la question, professeur. Elle est là. Désolé pour celles et ceux qui n'auront pas pu avoir des réponses à leurs questions. Je vous demande de m'en excuser. Le professeur n'a pas beaucoup de temps, mais l'occasion se présentera de nouveau. Une autre question. Est-ce que le principe des 12. Ah, ben ça n'a rien à voir avec. Bon. Bon, bref. Bon, ça est bon. Actuellement, il y a beaucoup de choses. Bon,
On essaie, puisque c'est vrai qu'il y a eu des Égyptiens, et on a pu voir des similitudes entre la spiritualité des anciens Égyptiens et puis ce qui se pratique en Inde, mais je n'ai pas personnellement travaillé sous des documents où j'ai trouvé le mot chakra, où j'ai vu des représentations de chakra en Égypte. Mais c'est sûr que parce que les Égyptiens, ils connaissaient les centres énergétiques. Mais savoir exactement comment ça se passait, après, ben, comme je dis, chacun fait sa petite cuisine, mais il y a pas, les gens ne peuvent pas se baser sur un document égyptien. Ok, ben je vous remercie. Je crois que les questions, il y en a, ça ne s'arrêtera pas, professeur. Donc Oui. je pense que vous avez déjà fait de votre mieux. Sinon, Oui. la question que la dame posait tout à l'heure, ce n'était pas celle-là, c'était, elle ne parlait pas du blanchissement des artefacts, elle parlait de la désacralisation de la spiritualité. Ah oui, je comprends ce qu'elle veut dire, oui. Oui, mais ça, c'est quelque chose, malheureusement, on peut rien faire puisque notre pays, notre culture, enfin notre patrimoine ne nous appartient plus. Donc c'est question de rapport de force. On ne va pas demander à des étrangers de respecter ce que nous, on considère comme étant sacré. Donc depuis l'époque de Cambyse, vous savez, quand Cambyse est arrivé en Égypte, bon, il a déjà massacré le taureau sacré, là, Hapi. Ensuite, il a profané, il a fait déterrer la momie de Amasis pour se livrer à des choses pas très avouables sous la personne du roi Amasis. Donc, on peut pas s'attendre à autre chose. Même ici, on voit que nos objets sacrés se trouvent dans des musées, on ne peut rien faire pour l'instant. Il y a bien des preuves qui essaient de récupérer, mais bon, voilà. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, je suis tellement content de ces échanges. Ouais. Je vous assure que les questions ne finiront pas, donc il va bien falloir qu'on arrête. Mais bon, ce que les gens ils peuvent faire, c'est s'inscrire au cours de camitologie, puisque là, bon, je peux plus facilement répondre à leurs questions. Et en plus, ils auront des documents, ils pourront suivre et voir l'histoire du peuple noir. Parce qu'il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, le peuple noir est sur Terre depuis au moins 2 millions d'années. Voilà. Depuis l'Homo erectus, notre histoire se poursuit en Afrique. Donc on peut apprendre l'histoire et comprendre par rapport à quelqu'un parlait de la datation. C'est-à-dire si on va prendre l'univers qui a 14 milliards d'années, d'après la science, si on prend que la Terre existe depuis au moins plus de 4 milliards et demi d'années, on comprend beaucoup de choses. On comprend que l'homme est apparu en Afrique. Et là, ce que j'explique aux gens, au niveau de la théorie, on voit les différentes théories que les Européens proposent. Et nous aussi, on fait nos propositions, puisqu'il ne s'agit pas de répéter bêtement ce qu'on apprend ici. Par exemple, on va vous expliquer la sortie de l'Afrique au niveau de l'Homo erectus, après au niveau de l'Homo sapiens. Moi, je trouve un peu bizarre qu'une première fois, l'homme va quitter l'Afrique sous forme d'Homo erectus. Et après, l'Homo sapiens, à son tour, va naître encore en Afrique pour qu'il quitte l'Afrique. Donc, moi, je suis plutôt partisan de ce qu'on appelle l'Homo erectus qui quitte une fois pour toute l'Afrique. Et après, il va se passer ce qu'on appelle la sapientisation de l'Homo erectus pour évoluer en Homo sapiens et sous les différents continents. Donc, des fois, certains appellent ça la thèse multirégion. Donc, ce serait des Homo erectus qui auraient évolué. Un Homo erectus a évolué en Europe, l'autre en Asie, l'autre en Afrique avec les différentes stades. Parce que si on part du principe que l'Homo sapiens est apparu en Éthiopie, donc on arrive avec ce qu'on appelle l'Homo 1,
l'Homo sapiens qui est daté de 160 000 ans. Et après, on va se retrouver dans l'impasse parce qu'on a retrouvé un Homo sapiens daté de 300 000 au Maroc. Donc, les gens vont se dire, mais tiens, on nous dit que l'Homo sapiens apparaît en Éthiopie. Il se trouve qu'on trouve un Homo sapiens plus âgé au Maroc qu'en Éthiopie. Donc là, à ce moment-là, on est chamboulé. Mais si on part du principe que l'Homo erectus apparaît il y a 2 millions d'années, quitte l'Afrique, et après il va se passer ce qu'on appelle la sapientisation de l'Homo erectus, à ce moment-là, ben, le fait de trouver un Homo erectus de 300 000 ans au Maroc ne pose aucun problème. Parce que de toute façon, il était noir, parce que les Blancs apparaissent il y a simplement 6 000 ans avant l'ère chrétienne. Donc, c'est tout ça qu'on essaie de voir avec documents à l'appui pour comprendre notre histoire au niveau de la linguistique, au niveau de la génétique, au niveau de la spiritualité. Voilà. Donc c'est, et surtout aussi, les hiéroglyphes. Apprendre les principes des hiéroglyphes, comment c'est fait, pourquoi tel médunéter a telle valeur alphabétique. Donc, tout ça est expliqué dans les cours de kamitologie. Le but, c'est que les gens ils puissent traduire d'eux-mêmes des documents et se rendre compte de la vérité. Voilà. Ah, il y a ouais. du travail. Bon, les amis, je crois que vous avez compris. Le professeur a bien voulu prendre une heure. Il nous avait accordé 40 minutes. C'est du simple double. Oui, parce que là, ça devient intéressant. Mais bon, comme je suis aussi fatigué... Oui, oui. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de me raser, je suis en mode taliban. Ah, c'est pas grave, on vous aime bien comme ça, professeur, franchement. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. J'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger. Les amis, vous avez compris que, en fait, vous pouvez simplement vous inscrire dans les cours que le professeur donne, hein. Ce sont les cours de kémitologie en ligne dispensés. Ça date pas d'hier qu'il le fait. Et donc ça c'est le site, celui-ci c'est sur Facebook, mais je pense qu'il y a aussi le cours, il y a aussi sur YouTube, la chaîne oui, YouTube. Oui, ils peuvent trouver le lien sur, aussi bien sur YouTube que sur Facebook en allant sur ma page. D'accord. Ben, qu'est-ce qu'ils doivent taper, professeur Pierre Nilon? Ben, ils vont sur Facebook et ils tapent mon nom, Pierre Nilon. D'accord. Donc, vous avez compris, les amis, oui. C'est pas compliqué. Ceux qui ne savent pas comment faire, vous allez juste et vous tapez le nom du professeur. C'est celui qui est ici en dessous, Pierre Nilon, que je vous montre là. Et puis, vous allez tomber sur sa page Facebook. Et sur sa page Facebook, vous allez tomber sur le lien qui vous mène sur la page YouTube. Voilà. En tout cas, moi, ça fait des années que je connais le professeur Pierre Nilon. Et ça ne date pas d'hier. Ce sont nos combattants qui, en fait, ont plongé dans cette lutte quand Internet n'existait pas encore. Maintenant, il faut s'adapter. Et franchement, chapeau, merci professeur. J'aurais aimé que vous fassiez un rappel de vos livres que vous avez. Malheureusement, beaucoup cherchent Moïse et l'Africain qui n'ont pas. Hein. Vous avez dit que vous aviez arrêté avec les productions, mais beaucoup cherchent Moïse et l'Africain qui n'ont pas. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas une possibilité pour vous de trouver une solution pour les rééditer, à tout le moins même à petite édition. Un petit exemplaire pour les vendre de main en main. Il y a beaucoup qui m'appellent pour ce livre-là, énormément. C'est vrai, c'est très difficile de trouver mes ouvrages parce que, bon, Moïse l'Africain, bon, les gens qui me connaissent depuis longtemps savent qu'il y a eu un procès par rapport à mes droits d'auteur et donc le livre n'est plus disponible actuellement. Donc, j'ai même pas le support. C'est-à-dire la disquette, à l'époque, c'était des disquettes où le manuscrit était tapé, ce qui m'aurait permis de rééditer. Donc, si je veux rééditer Moïse l'Africain, donc soit il faut trouver un éditeur sérieux, et ça, ça coupe les rues, il faut le dire, soit il faut le faire à compte d'auteur, mais il faut que je retape tout le manuscrit. Et là, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Donc, ça va être très, très, très difficile d'avoir cet ouvrage. Et après, il y a la véritable Bible de Moïse que les gens peuvent trouver aux éditions Anibwe, qui était sortie en 2003 à compte d'auteur et en 2009
aux éditions Anibwe, donc je pense que c'est toujours disponible. Il y a eu en 2016 prière et enseignement pharaonique de Nafakuroré, mais qui est aussi épuisé. Et puis, bon, il faut dire aussi les choses, c'est que faire des livres, ça rapporte rien du tout, quoi. C'est-à-dire, vous faites des livres, vous vivez pas de ça. Donc, moi, j'ai un travail qui me permet de vivre. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller m'endetter à faire des livres, sauf si les gens achetaient massivement les livres, oui. Mais sinon, faire des livres pour que ça me reste dans des cartons sous la main, ça m'intéresse pas vraiment. Il y a une question qui est posée en version électronique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sera faisable? En version oui, mais il faudra voir tout ça. C'est des choses qu'il faudrait voir. Je ne pourrais pas rester trop longtemps puisque mon ordinateur vient de signaler que la batterie est faible de toute façon. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit qu'il pourrait vous le refaire, votre livre, Moïse, je peux le retaper si vous le voulez. Je ne sais pas s'il faut prendre, vous voulez prendre contact avec lui. Je vais prendre contact avec lui. D'accord. Et je le mets sous la poche et puis je vais vous mettre en contact. D'accord. Mais après, il faut qu'on voit les conditions parce que ça aussi. D'accord. Parce que je sais que quand j'ai eu ma chaîne YouTube, certaines personnes m'ont proposé de traduire en anglais, mais il fallait que je fasse tout le travail. En fin de compte, c'était des gens qui voulaient juste faire de l'argent. Donc ça, il faut être honnête aussi. Oui, il faut être honnête. Donc, il faut savoir les conditions. Donc, voilà. Ah, c'est incroyable. Professeur, je sais que vous n'avez plus suffisamment de batterie, mais vous venez de me lancer sur un nouveau sujet. Effectivement, on a un problème dans la communauté, on a un gros problème et on en parlera à l'occasion. Je vous remercie pour tous les conseils que vous me donnez. Je vous remercie parce que vous m'avez donné beaucoup de courage à avoir une autre perception. D'ailleurs, je ne veux pas vous cacher que c'est en échangeant avec vous que j'ai pu avancer sur certains sujets que je ne vais pas étaler ici par rapport à un frère que nous avons. Mais je vous remercie beaucoup parce que vous m'avez apporté la force qui me permettait d'affronter certaines choses, en fait. Voilà, je dirais ça comme ça. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui te remercie et puis je vous dis à très bientôt alors. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, les amis, je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses à vos questions. Je ne m'en voulais pas. Le professeur nous avait accordé une trentaine, 40 minutes au top chrono. On était censé commencer à 18 heures, compte tenu de ses engagements. Et avec les contraintes du quotidien, je me suis retrouvé à courir comme une furie et à arriver chez moi tard. Voilà. Donc, on a commencé à 18h. Au lieu de 18h, on a commencé à 18h30. Je ne sais plus exactement à quelle heure on a commencé. Donc, ça a coupé le temps que nous pouvions avoir. Mais malgré tout, il a quand même... Il a quand même... comment dirais-je? Il a donné de son temps. Il n'y a rien de plus précieux que de donner de son temps. Je vous assure, les amis... Parce que ça n'a pas de prix, en fait. Donner de son temps, ça n'a vraiment pas de prix. Et quand il le dit, là, c'est qu'il disait qu'il y a des frères, des gens qui l'ont accosté pour qu'il puisse faire des traductions de ses travaux en anglais. Et que c'était juste pour faire du business. Je trouve ça affolant, en fait. Alors, c'est l'occasion pour moi de revenir sur un sujet. On fera d'une pierre deux coups. Je serai très rapide. Et on va fermer ce live et on va rouvrir un nouveau live dans lequel je vais partager autre chose avec vous. Pour que ce ne soit pas très long. J'avais reçu de votre part un lien d'une vidéo d'un frère à qui je dis bonsoir. Zwamba, j'espère que tu vas bien. Et il m'a été dit qu'il y a quelqu'un qui attaquait le professeur Rick Miret.
Et je n'ai pas regardé la vidéo, je ne savais pas que c'était la chaîne Zwamba. Et donc après, je jette un coup d'œil sur la chaîne, sur la vidéo, je dis, mais c'est la chaîne Zwamba. Je dis, c'est bizarre. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai écouté, je n'ai pas écouté jusqu'à la fin. Et j'étais un peu surpris que ce soit la chaîne Zwamba qui publie une telle chose. Avant toute chose, puisque le frère Zwamba, de temps en temps, quand il a du temps, il nous suit. Avant toute chose, je m'adresse à toi directement, frère Zwamba. Je te dis bonsoir, j'espère que tu vas bien. Merci pour le travail que tu fais. Tu nous apportes beaucoup et tu apportes beaucoup à ceux qui découvrent ta chaîne. Je suis le travail que vous faites depuis très longtemps et je le trouve très important. Je ne sais pas si le sèche a parlé et a prononcé le nom de qui que ce soit. Je n'ai pas suivi encore le passage où il en parlait. Mais c'est moi qui prenais la vidéo ce soir-là. C'est moi qui filmais. Donc, je n'ai pas souvenir qu'il ait prononcé le nom de qui que ce soit. C'est moi qui ai parlé au professeur en disant, professeur, quelque chose ne va pas. Vous allez arriver à la retraite. Vous n'aurez plus de force. Comment ça va se passer pour vous? Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai posé cette question. Parce que je me soucie de son avenir. Je ne pourrai pas vivre si je sais que ce monsieur n'est pas bien. Donc même pour me protéger de son avenir, il faut que je m'assure qu'il aille bien. Parce que je ne pourrais pas tout simplement, en fait. Donc, il faut qu'il soit bien. S'il n'est pas bien, ben, je ne serai pas bien. Et ce que j'ai, on va diviser en deux. Donc, comme je ne veux pas diviser, je déconne. Comme je voudrais qu'il soit, qu'il ait ses arrières qui soient assurés, je pose ce genre de questions. Donc, je lui ai demandé en disant, comment tu fais demain, une fois que tu es fatigué et que tu ne peux plus faire des conférences, des séminaires et tout ça? Comment tu fais? Et je lui dis, tu peux utiliser ta propriété intellectuelle pour en profiter. Et je lui ai dit que j'ai reçu des liens par vos soins, des gens. Pardon, excusez-moi. Qui avait fait des répliques de la chaîne Tamiris et Matawi, qui avait fait des répliques carrément. Ce n'est pas qu'ils ont pris deux vidéos, qu'ils ont pris cinq vidéos, ils ont fait toute la réplique de la chaîne Tamiris et Matawi. Et quelqu'un m'a dit, oui, non, c'est normal, c'est des gens qui connaissent le professeur. Le professeur les connaît. J'en ai pas parlé, j'ai dit, bon. Mais je parlais de lui, de la propriété intellectuelle en disant, désormais, il faudrait que ce qu'il fasse, qu'il puisse avoir bénéficié de sa propriété intellectuelle et que si jamais c'est exploité, qu'il puisse en tirer des bénéfices. C'est moi qui lui ai parlé de ça. Pour sa retraite, pour son avenir, c'est moi qui lui ai parlé de ça. Parce que si il est dans la rue, je serai dans la rue avec lui. Si j'ai un centime et qu'il n'a pas, je vais diviser les un centime là en deux. Donc, même en blaguant, même pour me protéger, il faut qu'il soit à l'aise. Je parle en termes de jeu, pardonnez-moi. Donc, je n'ai pas souvenir qu'il ait prononcé le nom de qui que ce soit. Donc, je lui ai parlé de la chaîne en question, finalement, qui avait un doublon. Namé m'a dit qu'il n'était pas au courant. Pas du tout. Que oui, ce sont des enfants qu'il connaît, mais il n'est pas au courant qu'ils ont fait une chaîne avec la doublure de leur vidéo, de leur chaîne.
Alors, juste pour information, avoir deux chaînes identiques ralentit une, forcément. Si j'ai deux chaînes identiques et que je mets les mêmes vidéos dans les deux chaînes identiques, je ralentis une ou je ralentis les deux. C'est simple comme bonjour. Donc, même pour la visibilité de ta mairie, ça ne sert à rien d'avoir deux chaînes identiques. Donc, ils m'ont dit, non, je n'étais pas au courant. J'en ai parlé avec Manu, qui m'a dit ça. Je n'étais pas au courant. Bon, visiblement, Manu, si tu me suis, eux, ils ne sont pas au courant. Ils n'ont pas dit à celui-là qui l'a fait de le faire. Ils les connaissent peut-être, mais ils ne l'ont pas dit de répliquer la chaîne Tamiri. Et donc, j'ai dit au professeur, je souhaite que désormais, tout ce que tu fais, qu'il puisse y avoir une propriété intellectuelle pour que tu puisses en profiter. Parce que, en plus, les gens vendent ces vidéos-là. Pourquoi je dis que les gens vendent ces vidéos? Parce que c'est moi qui lui ai dit. Parce que les publicités passent. Il y a des publicités qui passent là. Donc, la publicité, c'est la commercialisation de ces machines-là. En aucun cas, et jamais, je n'ai prononcé le nom de Zwamba. Je ne pensais même pas à Zwamba. Pour moi, ce n'est pas du tout le sujet qu'on avait abordé. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis et je vois que visiblement, c'était, on prit ça pour eux directement. Donc, Zwamba, je te parle, je vous parle, je parle à toute ton équipe. Moi, j'apprécie ce que tu fais. J'apprécie ce que vous faites. Et même si il y avait des choses, des vidéos du professeur ou de Tamiri que vous faisiez, moi, je suis fier. Je suis fier et je suis content que vous le fassiez. Vous voyez, je ne parlais pas de vous. On ne parlait pas de vous. On parlait des gens qui monétisent les vidéos du professeur et que pendant ce temps, le professeur, il ne bénéficie pas de ces choses-là. C'est de ça dont on parlait. Je n'ai pas souvenir qu'il ait prononcé le nom de quelqu'un. Il a parlé des gens des États-Unis parce qu'on lui a montré un site qui était aux États-Unis. Et c'est moi qui lui ai montré ce site. En disant, regarde, ils font la monétisation de ces vidéos. C'est moi qui lui ai parlé de ça. Parce que ce monsieur qui ne veut pas qu'on monétise ses travaux, il ne veut pas lui-même. Je lui ai dit, monétise-les pour avoir quelque chose. Moi-même, je ne monétise pas mes trucs. Il m'a dit, si je me mets à les vendre, le noir ne va pas suivre. Que son problème, c'est de faire passer l'information. C'est ça son problème. J'ai dit, mais d'accord, ok. Mais tu vis comment? Si tu ne peux pas bénéficier au moins de ton, tu vas te sacrifier jusqu'où? Voilà, c'est ça la question que je lui posais. Jusqu'où tu vas te sacrifier en fait? Donc, cette question de propriété intellectuelle, ce n'était même pas question de droit d'auteur, de propriété intellectuelle. Je lui ai dit, désormais, moi, je souhaite que tout ce que tu fais, que tu puisses faire jouer ta propriété intellectuelle. Et tout ce que tu as déjà fait, ce n'est pas un problème. C'est moi qui lui fais la proposition. De toute façon, que tu les laisses comme ça. Puisqu'il n'aurait pas fait ça comme ça, on n'aurait pas été au courant de beaucoup de choses. Moi, le premier qui vous parle. Donc, Zwamba, je te parle. Namé suivait la vidéo là. J'ai dit à Namé, regarde Namé, Zwamba te fait la publicité. Au moins, il te fait la publicité. Namé dit, oh, moi, ça me dépasse. Namé, on n'en a pas après toi. En tout cas, moi, je n'ai pas un problème avec toi. Moi, je te fais ce qu'on appelle le Congo, ça. Le Congo, ça, à ciel ouvert. Le professeur Gomez n'est même pas au courant que tu as fait la vidéo là. Et je ne sais, je ne pense même pas. Peut-être que quelqu'un lui a dit. Mais pour moi, il n'est même pas au courant. C'est Namé qui a suivi un peu ça avec moi. Et Zafio, c'est tout.
Et on a demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive, en fait? C'est tout ce qu'on s'est posé comme question. Donc, je n'ai pas souvenir. Hein. Je répète, je vais suivre le petit passage où il disait que il ne veut pas que les gens monétisent ses vidéos et que les gens vendent ses vidéos et qu'ils ne sont pas dans le combat. C'est vrai. Quelqu'un qui réplique une chaîne tout entière. Je prends les vidéos chez toi, j'ai déjà pris les vidéos chez toi. On échange des vidéos. J'ai déjà pris les vidéos que tu as publiées. Tu n'es jamais venu me dire, oui, machin, c'est ma vidéo. Tu vois? Donc, on n'est pas à ça, en fait. Soit c'est une mauvaise compréhension, soit il y a un truc que moi, je n'ai pas compris, en fait. Mais à ce qui me concerne, c'est moi qui ai parlé de cette histoire de double chaîne, Tamiri. Tu imagines que quelqu'un d'autre fait ta chaîne en double, en doublon. Même rien que ça, même si c'est pour te promouvoir, ça te pose un problème. Et la personne peut mettre de temps en temps des vidéos, de tes vidéos, oui. Mais pas tout à la fois, tout, ça dit que c'est une réplique, c'est un miroir, quoi. Et s'il y a des vidéos que tu ne vends pas, ou des, tu imagines que tu ne vends pas tes clics, tu vois. Et que eux, et encore, je dis ça, il y a quand même la publicité sur ta mairie. Mais je ne sais même pas quelle publicité c'est. Je parle comme ça, je suis en train de réaliser. Mais bref, donc ça veut dire que oui, ils monétisent les vidéos. Ils font la pub. Je ne sais pas. Ça vient de me venir à l'esprit qu'il y a quand même la publicité sur ta mairie. Bref, ce n'était pas de toi dont il était question. Voilà. Maintenant, si tu veux laisser ta vidéo sur la toile, laisse-la ta vidéo sur la toile. Si tu veux l'enlever, enlève-la. L'histoire des doublons de chaîne, c'est moi qui en ai parlé. Et la personne qui a fait ces doublons, la copie en double de la chaîne Tamiri, il va être contacté et on va lui demander, Frangin, est-ce que tu trouves ça normal? C'est tout. Si tu trouves normal de faire le double d'une chaîne, d'une chaîne, tu ralentis cette chaîne, tout simplement. Donc, tu peux faire une chaîne, tu mets autre chose, tu rajoutes des trucs, mais que ce ne soit pas à l'identique. Bref, l'histoire Zwamba, je suppose que vous avez compris d'où le problème vient. S'il y a eu un problème, ce problème venait de moi. Et s'il y a eu un problème, c'est parce que je suis en train de me soucier de comment est-ce que la requête du sèche va se passer. Voilà, c'est ça mon interrogation. Parce que quand quelqu'un entre dans ma vie, tant que la personne est correcte, elle ne sortira pas. Et le sèche, il est entré dans ma vie, il ne sortira pas. Donc, s'il est dans les soucis, je serai à vie dans les soucis avec lui. Donc, pour ne pas avoir les soucis, quand il a des soucis, il faut qu'il n'ait pas de soucis. Vous avez compris? Et donc, l'histoire des droits d'auteur, le sèche n'en a jamais parlé. Le droit d'auteur, il n'en parle pas de ça. C'est le fait que les gens vendent ses vidéos alors que lui-même, il les laisse gratuitement. Et ce n'était pas, je répète, de Zwamba dont il était question. C'était des chaînes dont on a vu qu'ils avaient fait des doubles de ces chaînes. Et ils faisaient passer les publicités dedans. J'espère que l'histoire là est claire pour tout le monde, que c'est un quiproquo. Personnellement, moi j'ai apprécié le travail et j'apprécie le travail que la chaîne Zwamba fait, le relais qu'ils font. Je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il en faut des milliers. Ce n'est pas le moment de venir se taper et de se tirer sur la jambe. Ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Mais absolument à rien. Voilà. Donc, je vais partager quelque chose avec vous. Aïe. Le formulaire pour contribuer, il est là. Ah, pardon, j'ai pensé que c'était toi. Merde, j'ai cru que tu me posais une question. Il disait, yes, quelqu'un qui veut contribuer. je décode.
Je n'ai rien compris à ce que Titi dit. Bon, j'ai pris en même temps, tu m'étonnes, j'ai pris la conversation en cours de route, Titi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vois que ça chauffe dans le chat. Alors, Titi, si tu peux monter, tu vas m'expliquer parce que tu as des infos là. Vas-y, monte si tu veux bien. Titi, si tu veux monter, je te laisse le lien. Je n'ai pas pour long. Ou si tu me donnes des explications. Ouais, d'accord. Alors, les amis, je vais faire simple. Il y a eu un malentendu. Je répète, la question de propriété intellectuelle, c'est moi qui en ai parlé au sèche pour qu'il commence à y penser, pour qu'il y pense. Et comme le fait qu'il y a parmi vous des gens qui m'ont envoyé des liens de chaîne où il y avait eu une réplique identique, un miroir de la chaîne Tamiris et Matawi, j'en ai parlé. Et dans cette chaîne, les publicités passaient, donc c'est une monétisation, c'est une forme de monétisation. Voilà. Et c'est une réplique double. J'ai dit, ce n'est pas normal en fait. Donc, j'ai dit au professeur qu'au-delà de ce que moi je souhaite, c'est qu'il puisse penser quand même à bénéficier de ce travail. C'est normal en fait. Donc, il n'y avait même rien de méchant là. Je dis, il n'a pas parlé de qui que ce soit. C'est par rapport aux éléments que je lui ai apportés. Qu'on n'a pas trouvé normal. C'est pas normal de toute façon. On n'a pas trouvé normal qu'on fasse une réplique d'une chaîne en double, sous prétexte que j'ai dit bonjour à Tamiri, j'étais à Tamiri, à acheter un livre, je connais le professeur, j'ai pris une photo avec le professeur, j'ai dit hop, hop là, je me donne le droit de répliquer une chaîne. Et Manu, j'en ai parlé avec Manu qui m'a dit non, 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 c'est normal, le professeur les connaît. En fait, non, ils ne sont pas d'accord. En fait, Tamiri ne veut pas qu'on fasse une réplique identique de sa chaîne. Mais voilà, il n'y a rien de plus anormal là. Et après, j'ai dit au prof que bon, il faudrait qu'on trouve un moyen pour qu'il puisse faire une protection de sa propriété intellectuelle parce que même des lives, les livres peuvent en sortir, des CD peuvent en sortir, des livres, surtout même des livres, hein, des petits livres. Des gens préfèrent, certains préfèrent les livres. Il y en a qui sont malentendants, qui ont un livre, ils préfèrent lire. Donc, c'est de tout ça dont il était question, des produits dérivés, ça, des lives. On peut en faire des CD, on peut en faire des livres audio. On peut en faire. C'est dans ce contexte-là que je disais. Et je ne lui ai pas dit, va fouiller toutes les chaînes qui ont publié tes vidéos et scraque-les. Non. C'est parce que c'était odieux les gens qui font une double de la chaîne Tamiri et qui vendent, qui font de la monétisation avec la pub dessus. C'est pas normal. Tout le monde trouvera ça pas normal. C'est logique en fait. C'est même inadmissible en fait. Si quelqu'un met ses vidéos gratuitement, mais que ça reste gratuit, basta. T'as pas à prendre ça et faire de la pub dessus. C'est de ça dont il est question. On n'a même pas à polémiquer sur ce genre de truc, en fait. Donc voilà, on va arrêter celui-ci et je vais balancer un autre live, les amis. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous préparer quelque chose d'assez succulent. J'espère que vous allez aimer.
Donc, j'arrête celui-ci et puis je vous balance les éléments qu'on devait traiter dans le live qu'on a eu hier avec le sèche, en partie. Et après, on va revenir sur un autre sujet. En tout cas, la soirée s'annonce intéressante. Demain, nous avons un live avec Elmon Sogrodson. Je ne l'ai pas encore eu là. Il faut que je l'appelle. Donc, je vais l'appeler entre deux. Et je vous donnerai le sujet que nous allons aborder demain. Voilà. À tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. À tout de suite.